Hello, good morning. Hello, hello, good morning, everyone. Good morning, quatrième 5, quatrième 2, quatrième 5, quatrième 7. Hello, hello. Rise and shine. Shine, yes. The sun is not shining today. It's raining. Hello, hello, good morning. How are you? Welcome to your English lesson. Good morning, everyone. Wake up. It's time to wake up. Hello. Good morning, Matteo. How are you today? Just one. Just one. Oh, no. Good morning, Magali. How are you? How are you today, guys? Good morning, Oriana. How are you today, Oriana? I'm fine, thank you very much, Matteo. I'm fine, thank you very much, Magali. And the last one. No, okay, so let's go. So, thank you for being on time for your English lesson. Thank you for being brave and courageous. Okay. Yes, I'm. Oui, c'est mieux avec un verbe, Mathéo. Okay, so let's go. Let's start this important lesson. Alors, je vous ai dit, je vous ai redit, mais je vous le redirai jusqu'à temps qu'on change de séquence. C'est très 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 important ce present perfect que l'on est en train de faire maintenant. On est dans les clous, on est pile poil dans le programme. En classe normale, on va dire, je suis pas sûre que je serai plus loin que ça. Non, je ne pense pas, je pense pas non plus. Pour moi, ne vous inquiétez pas, ceux qui suivent régulièrement, qui font leur travail régulièrement, vous êtes bien en train de faire le niveau quatrième comme il faut. Et même si on finit pas le livre, de toute façon, je n'arrive jamais à finir le livre, on aura fait ce qu'on devait faire pour la quatrième. Alors évidemment, après, il reste plein de choses à voir. Mais au final, si on retire toutes les pages à la fin qui concernent que la grammaire, il nous reste deux séquences et qui ne vous empêcheront absolument pas d'aller en troisième l'année prochaine. Ça, c'est clair et net que vous ne perdrez absolument rien. Good morning, Matteo. How are you? Allez, on y va. Present perfect, temps très important. Alors, en quatrième, à la fin de la quatrième, vous devez être capable de maîtriser. I'm fine, thank you very much. Vous devez être capable de maîtriser le présent. Tous les jours, je vais à la piscine. Trois fois par semaine, nous allons au cinéma. Good morning, Inès, how are you? Deux fois par semaine, je vais à la piscine. Tous les dimanches, nous allons au restaurant. Tous les ans, je pars en vacances. Voilà, donc vous devez être capable de maîtriser ce temps du présent, forme affirmative, interrogative, négative, avec les auxiliaires qui vont bien, do, don't, does, doesn't. Vous devez être capable de maîtriser le futur avec will. Demain, j'irai à la piscine. Tomorrow, I will go. Aux formes affirmatives, négatives et interrogatives. Vous devez être capable de maîtriser le prétérit. I'm fine, thank you very much. Vous devez être capable de maîtriser le prétérit pour les actions passées, terminées, datées. Hier, j'ai mangé des crêpes. Il y a 3 jours, nous sommes allés au cinéma. Donc, le prétérit avec did, didn't et nos fameux verbes irréguliers de la deuxième colonne. Et le quatrième temps que l'on vous demande de maîtriser à la fin de la quatrième, c'est donc notre fameux present perfect,
qu'il ne faut pas mélanger avec le prétérit. Je vous l'ai dit, je vous l'ai redit, le present perfect, c'est un lien entre le présent et le passé. Il n'y a plus de date et on ne raconte plus quelque chose, mais on parle des conséquences qu'il peut y avoir dans le présent. Ok, alors, construction. Donc, je vous rappelle la construction. Vous avez obligatoirement l'auxiliaire have au présent, puisqu'il s'appelle le present perfect, donc have au présent. Et vous avez obligatoirement le participe passé, cette fameuse troisième colonne dont pour l'instant vous ne vous êtes jamais servi. Ou alors vous avez pu vous en servir quand on faisait du classroom English. Sorry, I have forgotten my book. Désolé, j'ai oublié mon livre. Voilà. Mais c'était des petites phrases apprises par cœur et vous ne saviez absolument pas à quoi ça correspondait. C'était juste pour vous faire graver un peu dans votre mémoire la construction. Donc, have au présent et troisième colonne. Good morning, Jade. How are you? Voilà. Alors, j'ai mis en pièce jointe deux petites fiches qui vous résument un petit peu tout ça. On a fait des exercices aussi hier. Donc, on va les finir. Il y avait une petite partie à faire en plus pour aujourd'hui. Alors, on prend donc worksheet number one. Et vous n'aviez que la première partie à faire. Il ne fallait pas faire la deuxième. Si vous l'avez faite, bah, ce n'est pas grave. Sauf qu'on n'avait pas vraiment fait la leçon dessus. Mais bon, en tout cas, cette partie-là. Alors, on y va. Le present perfect fait un lien entre quoi et quoi? Que m'avez-vous mis? Alors, c'est le lien. C'est le lien entre quoi et quoi? Le present perfect, c'est le lien entre quoi et quoi? Qu'avez-vous écrit? Voilà. Exactement. C'est un lien entre le passé et le présent. Tout à fait. D'accord? On fait le lien entre le passé et le présent. J'ai perdu mes lunettes. Conséquence dans le présent, je ne peux plus lire. Attention, j'ai perdu mes lunettes. Il y a 3 jours, même si la conséquence est dans le présent que je ne peux plus lire, à cause de il y a 3 jours, ou la semaine dernière, ou il y a 1 an, ou il y a 5 minutes, on est obligé de mettre du prétérit. D'accord? Pas de marqueur de temps au present perfect, toujours un marqueur de temps au prétérit. Donc, notre fameux present perfect, il fait le lien entre le passé et le présent, comme on le voit dans sa construction. Je vous en ai parlé hier. Present, bah, c'est le lien dans le présent. Perfect, c'est tout ce qui concerne les temps passés. Mais ce qui est important, donc je fais la lecture en même temps que vous, mais ce qui est important, c'est le moment présent, le moment où l'on parle. On constate au moment présent que telle ou telle chose s'est produite ou non, le coup des lunettes, sans donner de date, sans donner de date ou de repère temporel précisé. Ça serait bien à la limite même de surligner si vous avez quelque chose ou souligner si vous avez un stylo avec vous sans donner de date ou de repère temporel précisé. Et on vous donne un exemple. B, have you ever eaten raw fish? Yes, I have. Est-ce que vous avez déjà mangé du poisson cru? Oui. Je vous rappelle que quand on dit oui en anglais, c'est jamais yes tout seul. Vous pouvez dire yes tout seul. Montrez que vous avez un niveau supérieur en reprenant le sujet. Et l'auxiliaire, yes, I have. Have you ever been bungee jumping? No, I haven't. Est-ce que tu as déjà fait du saut à l'élastique? Non, j'en ai pas fait. Non. Alors, dans ces questions, vous deviez souligner have en rouge et le sujet en bleu. Bon, bah, have en rouge et le sujet, c'était you, hein, en bleu. Et en vert. Puis souligner en vert les réponses brèves. Donc, les réponses brèves, il fallait souligner en vert. Yes, I have. No, I haven't. Et que remarques-tu? Que have est placé blabla dans le sujet, dans les questions present perfect. Alors, have est placé par rapport au sujet. Où est-ce qu'il est placé par rapport au sujet, le have? Que m'avez-vous écrit?
Oui, voilà, exactement. Yes, avant, before, yes. Have est placé avant le sujet dans les questions plus imparfaites. C'est logique, puisque, ok, good, c'est logique, puisque dans le present perfect, have a donc le rôle d'un, have est donc un. Que m'avez-vous marqué? Yes, Magali. Alors, dans les questions en anglais, le premier mot est toujours. Alors, ça peut être un pronom interrogatif. Hein, qu'est-ce que tu as fait hier? Quand es-tu arrivé? Où habites-tu? Hormis le pronom interrogatif, le premier mot en anglais d'une question est toujours, toujours exactement un auxiliaire. Toujours. Jamais un verbe. Et l'auxiliaire va aider à conjuguer le verbe. Faites bien attention à ça. Donc, c'est logique. Comme il est placé en première partie, au tout début de la phrase, c'est donc un auxiliaire. Cet auxiliaire, have, il va aider à conjuguer le verbe. Et ben donc là, par exemple, avec l'histoire du poisson cru, il va aider à conjuguer le verbe eat, qui va nous donner eaten. Et dans l'autre, il va nous aider à conjuguer le verbe. Alors, c'est been, mais bon, je vous expliquerai après. Donc, il va nous aider à conjuguer le verbe suivant. Donc, c'est logique, have est un auxiliaire. C'est pour ça qu'on le retrouve aussi dans les. Alors là, vous m'avez mis quoi? Dans les formes. Allez, je vous aide dans les formes. C'est pour ça qu'on le retrouve aussi, oui, pas dans les formes, dans les réponses brèves. Voilà. C'est pour ça qu'on le retrouve aussi dans les réponses, oui, brèves. Voilà. Par exemple, ça serait Do you like fish? Yes, I do. Will you come with me? Yes, I will. Did he buy a new car? Yes, he did. Have you been bungee jumping? Yes, I have. Voilà, dans les réponses courtes. Alors maintenant, super facile, comment forme-t-on le participe passé? Alors, super facile, quand on analyse un petit peu, même sans la leçon, même si vous n'avez jamais vu ce temps parce que vous ne regardez pas les lives et que vous ne regardez pas les replays non plus, on peut facilement voir que le participe passé, donc, comment on fait? Comment forme-t-on le participe passé pour les verbes réguliers? Qu'est-ce qu'on ajoute? Alors, que m'avez-vous mis? Alors, ce n'était pas vraiment un petit piège, mais c'était en fait, c'était une question d'orthographe. Donc, pour les verbes réguliers, alors, comment forme-t-on le participe passé? Pour les verbes réguliers, en ajoutant ED, ça on a bien compris, pas have, c'est ED ou IED. Voilà, il n'y a pas de have. On ne rajoute pas have à la base verbale. La base verbale, on lui colle ED ou alors IED, ce qui nous amène au attention en dessous. Pourquoi IED? Parce que le Y se transforme en I quand il est précédé d'une consonne. Et là, on vous donnait try, enjoy et carry. Try, essayer. Enjoy, apprécier, bien aimer. Et carry, porter, mais porter une valise, par exemple. Donc, comment m'avez-vous transformé ce try, enjoy et carry? Comment l'avez-vous transformé? Voilà, tried. Good.
Good. Okay, tried. Mettez les trois en même temps, ça sera plus simple. Alors, carried, carried. Alors, ils ont fait un petit piège. Ils ont fait un petit piège, donc carried. Ils ont fait un petit piège avec le enjoy. Ils ont fait un piège avec enjoy. C'est Y. Il ne se transforme pas le enjoy. Et pourquoi il ne se transforme pas? Parce que il y a une voyelle avant. Vous voyez que try se termine par un Y. C'est une consonne avant. Donc, try va se transformer en tried, comme vous l'avez très bien écrit. Carry, il y a un Y. Il y a un Y. Et avant, il y a encore une consonne. Donc, carry va se transformer en carried, comme vous l'avez très bien écrit. En revanche, enjoy, il y a une voyelle avant le Y. Et avec la voyelle avant le Y, on ne transforme plus le Y. C'est comme si on avait play. Play. A, Y, ça nous ferait played, mais on ne transformerait pas le Y, on le laisserait. Donc voilà, c'était un petit piège. Corrigez sur votre feuille, c'est pas bien bien grave, mais essayez de vous en rappeler, c'est tout. Je suis sûre qu'à played, vous n'auriez pas fait l'erreur. Mais comme enjoy, c'est pas un verbe que vous avez l'habitude d'utiliser, donc du coup, c'est voilà, c'est juste une question d'orthographe. Le principal, pour moi, c'est que vous ayez compris que le participe passé des verbes réguliers en colle ED ou IED quand ça se termine par un Y à condition qu'il n'y ait pas de voyelle devant. Alors, ensuite, il y avait un deuxième attention. Alors, celui-là, il est très, très, très important. Donc, il faut bien voir la différence entre les deux phrases. I go to the sea every day. Quel est le verbe de cette phrase? On a utilisé quoi? Je vais à la plage every day, every year. Je vais à la plage tous les ans. Je vais à la mer tous les ans. Alors, quel est le verbe qu'on a utilisé en anglais? Quel est le verbe qu'on a utilisé en anglais? Exactement. Là, tout le monde est d'accord. Ça, il n'y a pas de souci. On a utilisé le verbe go. OK. Maintenant, quand on veut dire comme... attends, 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 attends. Qu'est-ce que tu nous fais, Mathéo? Oui, hein, t'es pas au bon endroit, Mathéo. Donc, on est d'accord que c'est le verbe go. Maintenant, quand on dit je ne suis jamais allé à la plage, je ne suis jamais allé à la mer, je ne suis jamais allé dans un restaurant 25 étoiles. Elle n'est jamais allée à New York. Nous ne sommes jamais allés. En français, on est d'accord qu'on utilise le verbe aller. En anglais, on n'utilise pas go. À ce moment-là, exemple, donc deuxième, I've never been to the sea. Qu'est-ce qu'on utilise? C'est le participe passé de quel verbe qu'on utilise? Oui, mais c'est le participe passé quoi? Alors, c'est le participe passé been, mais le participe passé been et le et, oh, je vais y arriver. Le participe passé been et le participe passé de quel verbe? Donc, been, c'est le participe passé, ok? Et c'est le participe passé de quel verbe? Et c'est là où il faut faire attention, la grosse, grosse différence. En anglais par rapport au français, c'est que c'est le participe passé de be, de être. Vous l'aviez remarqué? Et cependant, en français, on va dire je ne suis jamais allé. On ne met pas go. Voilà. Donc, on utilise been qui est pas le participe passé du verbe être. On ne dit pas I've never gone. Si on était logique, je ne suis jamais allé, go
went, gone, vous le savez par cœur, go, went, gone. Si on était logique, on devrait dire I've never gone to the sea. Or, en anglais, ça ne se dit pas. On utilise la troisième colonne de be, donc been. Voilà. Il faut vraiment, vraiment vous en rappeler. Parce que si on vous demande déjà, si on vous demande est-ce que tu as déjà été. Alors en français, on peut dire ça aussi. Est-ce que tu as déjà été en Italie? Have you ever been? Est-ce que tu es déjà allé? Qui est plus correct en français que est-ce que tu as déjà été? Est-ce que tu es déjà allé? Have you ever been? Ok, voilà, donc ça, c'était pas très très compliqué à faire. Bon, je suis désolée que vous soyez tombé dans leur petit piège du enjoy, mais c'est pas très important. Le principal, c'est de bien retenir verbe régulier, participe passé, ED, verbe irrégulier. Et ben donc, j'ai oublié de lire le truc là. Pour les verbes irréguliers, il faut les apprendre par cœur. Liste page 174-175, mais je ne pense pas que ça corresponde. Si, voilà, au livre. Mais si, ça correspond au livre. Il n'y a pas le choix. Donc, et ne les laissez pas tomber, les verbes irréguliers. L'année prochaine, en troisième, les professeurs que vous aurez aussi vous feront des interrodes sur les verbes irréguliers. Vous ne pouvez pas y couper. Vous ne pouvez pas y couper. Allez, hop, on met ça de côté. Gardez bien cette feuille. Gardez bien cette feuille parce qu'on n'a pas fait le 2 encore. On le fera pour une autre fois. Ensuite, donc, vous aviez... Voilà, moi j'ai ces deux feuilles. Fiche 2, voilà, ça à faire. Et après, l'autre partie. Allez, donc on va commencer. Alors, donc, c'était encore une petite couche sur le Present Perfect. Est-ce que vous êtes avec ma fiche 2? Tout le monde est bon? C'est bon, ça suit. Posez-moi des questions hein, si vous ne comprenez pas. Enfin, écrivez-moi les questions si vous ne comprenez pas. Hein. C'est pas, je répète comme en classe. Hein. Pareil. Ou des fois, si ce n'est pas clair, ou si vous ne comprenez pas un truc, vous avez mon mail, il y a Pronote. Voilà, hein, je réponds plus vite par mail que par Pronote, parce que des fois, Pronote, je peux rester des heures sans l'ouvrir, alors que le mail, je regarde régulièrement. Donc, n'hésitez surtout pas. Alors, Present Perfect. Lis ce dialogue, écris les formes verbales soulignées dans le tableau et réponds aux questions. Alors, Lucy, you have traveled a lot, haven't you? Yes, I have. What cities have you visited? I've visited Rome, Paris, New York, Sydney. I've never been to Africa, but my husband has often been there. Look at the souvenirs he's brought back from Kenya. Alors, vous deviez recenser les formes affirmatives, les formes avec never et les formes interrogatives. Alors, on va commencer par le plus simple. Que m'avez-vous mis pour never? Il n'y en a qu'une. Alors, qu'avez-vous écrit? Est-ce que vous l'avez trouvé dans le texte? Normalement, vous avez dû trouver ça dans le texte avec never. Il y en avait qu'une. Hein. Voilà, exactement. I've never been. Et là, vous voyez, elle ne dit pas « I've never gone », mais elle veut bien dire « je ne suis jamais allée en Afrique ». Oui, Mathéo, c'est bien de te corriger. Donc, une seule phrase, une avec « never »,« I've never been to Africa ». Yes. Forme interrogative, il y en avait deux. Allez, forme interrogative, il y en avait deux. Lesquelles? Oui, c'est bien. Alors, forme interrogative, il y avait deux formes interrogatives. Good, haven't you? Ok.
Okay. Et have you visited? Exactly. Haven't you? Et have you visited? Good. Voilà. Ça, c'était pas compliqué quand même, hein? Haven't you? Et have you visited? Okay. Et les formes affirmatives. Alors, je vais vous les donner, ça sera un tout petit peu plus rapide pour la correction. Donc, les formes affirmatives. Alors, on a you have traveled. Alors, ok, donc je l'ai fait au fur et à mesure, mais vous pouvez le faire aussi en même temps que moi. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que si j'attends que tout le monde écrive, il va y avoir un blanc de 5 minutes et c'est pas génial, quoi. Donc, ok, he's brought. Alors, je fais dans l'ordre de haut en bas, hein, c'est peut-être un peu plus logique. You have traveled. I have. I visited. Good. I visited. Et la dernière, has often been. Has often been. Et he's brought. You have traveled. I have. I visited. Has often been. He's brought. Voilà les cinq qu'il fallait. Bon, là, je pense quand même que cet exercice a été fait correctement. C'était pas très très compliqué. Et ensuite, il fallait relever les différentes formes de l'auxiliaire utilisé. Alors, les différentes formes de l'auxiliaire utilisé. Alors, déjà, la première forme, have. D'accord, c'est une forme. Have et has, good. Et puis, donc on a have, on a has, on a have, on a has, et puis aussi on a la forme négative, haven't. Alors have, have, is, haven't, have. Voilà, ok. Donc en fait, il fallait reprendre à chaque fois tous les have et leur manière d'être orthographiés. Donc have, haven't, donc have on l'a déjà, have, v apostrophe ve, v apostrophe ve, has, et la contraction du has en apostrophe s. Ok. À quel temps? Alors, à quel temps est cet auxiliaire? Have, haven't, has. À quel temps est cet auxiliaire? Donc, facile, on a dit que c'était quel temps? Au présent, voilà, exactement, c'est au présent. Parfait. C'est bien. Donc, auxiliaire au présent. Good. C'est pour ça que même si, je vous dis, même sans avoir suivi du tout ce qu'on a fait la dernière fois, c'était largement faisable. Mais c'est vrai que ce qu'on a fait la dernière fois, c'est important aussi. Tac, tac, tac. Donc, à quel temps est cet auxiliaire? Au présent. À quelle forme est le verbe? Donc, le verbe, on a travel, visit, been et brought. Alors, à quelle forme sont ces quatre verbes? Est-ce qu'ils sont en forme base-verbale? Est-ce qu'ils sont en forme prétérite? Ou est-ce qu'ils sont en forme participe passé? Alors, moi, je vous les ai donnés en base verbale. Je vous ai dit travel, visit, bring et be. Et on veut savoir comment ils ont été conjugués dans ce petit texte. Donc, le travel est devenu traveled, le visit est devenu visited, le be est devenu been et le bring est devenu brought. Alors, donc il n'est pas en base verbale, Mathéo. On est bien d'accord. Ce ne sont pas des bases verbales. Mais ce sont. Alors, on pourrait croire que ce sont des prétérites parce qu'il y a visited, il y a traveled, il y a brought, parce que bring, brought. Mais comme il y a be qui se transforme en been, là, c'est l'indice qui nous donne que
Le verbe est au participe passé. D'accord? Attention à cette construction. Have plus participe passé. Troisième colonne. Toujours, toujours, toujours. Et quel titre conviendrait pour ce petit dialogue? Quel titre conviendrait pour ce petit dialogue? Est-ce que c'est un récit de voyage? Est-ce que c'est une expérience de voyage ou un projet de voyage? Alors, récit, expérience ou projet? Si vous avez bien compris ce que je vous ai dit depuis la dernière fois et depuis tout à l'heure, normalement, vous ne devez pas vous tromper. Donc, j'attends qu'il y en ait plusieurs qui marquent. Alors, Mathéo, c'est fait. Magali, c'est fait. Je ne vous dis pas pour l'instant. Hein. Inès, c'est fait. On a perdu Jade. On a perdu Jade et notre deuxième Mathéo. Donc voilà, allez, j'ai trois réponses. Et trois réponses justes, tout à fait. Ce sont des expériences. Ce n'est pas un récit, il n'y a pas de date. D'accord? Dans un récit, comme par exemple dans un conte, il y a des dates. Même si on ne dit pas en l'an 1580, le roi machin, on dit « once upon a time », il était une fois. Allez, il était une fois, bim. Considéré comme un marqueur de temps, comme une date prétérite. D'accord? Projet, bah, quand on fait des projets, l'année prochaine, j'irai aux vacances prochaines, nous ferons. Donc, non. Donc, expérience de voyage. Elle dit ce qu'elle a fait. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, on a visité ça, mon mari a ramené ça, mais elle ne dit pas quand. Allez, on y retourne. Autrement dit, remember, bilan. Lorsqu'on fait un bilan présent de ses expériences passées, parce que c'est ça, elle fait le bilan de tout ce qu'elle a fait, d'une expérience qu'elle avait faite dans le passé. Donc, lorsqu'on fait un bilan présent de ses expériences, on emploie le present perfect. Exemple. Alors, qu'avez-vous mis comme exemple? Bah, vous pouvez me dire que vous êtes déjà allé dans un pays, vous dites, j'ai visité, je ne sais pas quelle ville, voilà. Ou alors, à moins que vous ayez repris une phrase du texte là-haut. Qu'avez-vous écrit en tout cas? Alors, Inès, est-ce que tu as marqué ça sur ta feuille? Parce que là, tu m'as oublié un mot. Là, tu m'as oublié l'auxiliaire. Voilà. I've already been to Morocco. Mr. Bike Pro aurait pu nous marquer. I have, pas grave. Alors, Mr. Bike Pro, non, tu ne peux pas marquer ça. Alors, tu ne peux pas marquer ça, pourquoi? Parce que tu es au mauvais temps. Attention. Si tu parles de ton expérience pour dire oh, « je suis déjà allée à Londres », « I have visited London ». Quand il n'y a pas de date, c'est le present perfect. Donc, corrige-toi s'il te plaît, Mathéo. Jade, « I've already been to Paris ». Very good. Magali, « I have visited the Seychelles ». The Seychelles. Good, ok. Ah oui, c'était quand? Quand est-ce que tu étais allée aux Seychelles? C'était pas au mois de... Pendant les vacances d'octobre, non? Je ne sais plus, tu me l'avais dit, je me rappelle, c'est cette année. Ou alors peut-être en février. Oui, je me rappelle de ça. Même que je t'avais dit que j'étais très jalouse. Ok, donc, tu t'es pas corrigée, Mathéo. Et on a perdu un Mathéo. Bon, je corrige à ta place. I have visited London. Si maintenant,
Ah, c'était là. Oui, d'accord, ok. Donc c'était. D'accord. Si maintenant tu voulais dire j'ai visité Londres il y a 2 ans, I visited London, et donc là il faut, à ta phrase que tu as écrite, là, il faut rajouter 2 years ago. Mais pas de prétérit sans date, sinon tu parles de ton expérience et I have visited London. Voilà. Ah non, il ne faut pas être désolé de réfléchir, hein, surtout pas. Ah, tu réfléchissais pour écrire la réponse. D'accord. Allez, hop, la deuxième partie. La deuxième partie, c'était tac, tac. Retrouve les questions correspondant à ces réponses. Bon, alors, j'aurais dû vous dire de ne pas la faire parce qu'en fait, on n'a pas vu comment on faisait une question. Mais peut-être que si vous avez le livre sous les yeux, vous pouvez peut-être vous inspirer et prendre modèle, page 61 de mon fameux texte avec le poisson cru et les sauterelles grillées. Donc, et sinon, eh ben, c'est pas grave. Et puis bon, vous, après, vous aviez des exemples de questions dans les exercices. Alors, retrouve les questions correspondantes à ces réponses. Utilise le present perfect. Alors, la réponse est non, never. I don't like Chinese food. Donc, on sait qu'on va avoir la question, va parler de Chinese food. Que m'avez-vous écrit pour la question? Allez, faites-moi vos propositions. Alors, like est particulier. Like est particulier, on ne le met pas. On ne le met pas au present perfect. Pour les, dans les questions, en tout cas. Et puis, ça ferait bizarre, si je traduis ta réponse, ta question, Magali, est-ce que tu as aimé la nourriture chinoise? Est-ce que tu as aimé la nourriture chinoise? La réponse est non, jamais. C'est bizarre. T'as aimé la nourriture chinoise? Non, jamais. Ça colle pas. Alors, ta phrase est bien construite. Have, sujet, participe passé. Il n'y a aucun problème de construction. C'est plus un problème de sens. Ça fait bizarre par rapport à la réponse. Non, jamais, j'aime pas la nourriture chinoise. Ça fait bizarre. Essaye de trouver un autre verbe. Alors, Inès, qu'est-ce qu'elle m'a marqué? Have you ever eaten Chinese food? Jade, have you already eaten Chinese food? Et Matteo, have you ever eaten Chinese food? Yes. Alors, quand on pose une question pour demander à quelqu'un s'il a fait ça ou ça au moins une fois dans sa vie, on utilise effectivement ever. Donc, Inès, have you ever eaten Chinese food? Very good. Matteo, have you ever eaten Chinese food? Very good. Jade, already, je suis d'accord, ça veut dire déjà, mais que dans les réponses. Dans les questions, ça ne veut pas dire déjà. Ça serait du genre, have you already eaten Chinese food? Genre, t'as déjà fini ton plat? T'as déjà fini ta nourriture chinoise? Alors que là, on veut savoir si la personne en a déjà mangé. D'accord? Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. Donc, là, tu dois remplacer already par ever. Donc, ça colle bien. No, never. I don't like Chinese food. Tac, tac, tac. Number two. La réponse, yes, we have. We went with our class 3 years ago. Donc, oui. On y est allé avec notre classe, donc sous-entendu, je pense que ça doit être un voyage scolaire, il y a 3 ans. Donc dans la réponse, on a le droit de mettre un prétérit parce qu'on donne une date. Donc on pose une question sur l'expérience et on peut très bien avoir dans une réponse un prétérit associé avec une date. Alors, que m'avez-vous mis? Bon, là, on pouvait mettre plein de choses. Alors, on pouvait mettre plein de choses, sous-entendu que
On voulait, dans la réponse, il y avait went. Alors, donc, Jade. Alors, attention. On te comprend sans problème. Si tu dis you have visited London avec la voix qui monte, on te comprend. Simplement, ce n'est pas correct. D'accord? C'est de l'anglais parlé qu'on va comprendre, mais en tant que prof d'anglais, je préfère que tu utilises vraiment la bonne formule tout de suite. Comme ça, au moins, tu es tranquille, tu vas l'acquérir rapidement à force de l'avoir et donc tu ne feras plus l'erreur. Ça passe encore au collège, ce que tu as écrit. Je validerai pas si c'était un contrôle oral. Si c'était une évaluation écrite, pardon, et au lycée, ça ne sera pas validé du tout. Donc, ça ne va pas. Hop, attendez, il y a des trucs. Alors, donc, eh bien, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a vu tout à l'heure que dans les questions, on inverse. Dans les questions, on inverse. Vous savez bien que dans la question, vous savez bien dire, est-ce que tu as des frères et sœurs? Have you got brothers and sisters? Jamais je ne vous ai entendu dire, you have got brothers and sisters? Non, vous savez très bien, have you got brothers and sisters? Donc du coup, il n'y a pas de raison que là, vous ne fassiez pas la même chose. Voilà, donc have you visited London? Et pour être encore plus correct, parce qu'on ne sait pas s'ils y sont déjà allés, have you ever visited London? London, autre chose, hein? Have you ever visited London? Have you ever visited Paris? Voilà, hein? London, London, c'est très bien. Vous auriez pu mettre aussi, have you ever been, est-ce que vous êtes déjà allé? Have you ever been to London? Oh yes, we went there 2 years ago. D'accord? Donc, visited, c'est parfait, au moins vous ne vous trompez pas, mais pensez à bien inverser l'auxiliaire et le sujet. Donc, have you, avec ever, c'est parfait plus. Have you visited London? Très bien. Have you ever visited London? Niveau supérieur. Toc, c'est pub qui arrive, c'est un casse-pied. Number three. Yes, I have, and I can tell you it hurts. Donc, réponse, oui, et je peux te dire que ça fait mal. Yes, I have, and I can tell you it hurts. Donc là, c'est certainement, est-ce que tu es déjà tombé de vélo? Est-ce que tu t'es déjà coupé avec un... est-ce que tu t'es déjà coupé un doigt? Est-ce que tu t'es déjà blessé? Bon, voilà, c'était des choses pas très très agréables. Est-ce que tu as déjà marché sur un clou? Voilà. Allez, que m'avez-vous mis pour quelque chose qui fait mal? Moi. Donc, on est d'accord qu'on pose une question. On est d'accord qu'on veut savoir si la personne l'a déjà fait. Mais attention au déjà, on est dans une question. Ce n'est pas le même déjà que les formes affirmatives. T'as pas trouvé, d'accord. Et bien alors, donc, qu'est-ce qu'elle m'a mis, Jade? Have you ever cut your finger? Yes, voilà. Est-ce que tu t'es déjà coupé le doigt? Donc, je n'ai pas trouvé. Donc, have you ever cut your finger? J'ai des autres propositions, des autres petites là qui sont là. Ou pas? Have you ever cut your finger? Allez, have you ever walked on a nail? T'as déjà marché sur un clou? Have you ever walked on a nail? Qu'est-ce qui pourrait faire mal, une action qui pourrait faire mal, mon marché sur un clou.
Voilà, se couper le doigt, voilà. Have you ever cut your finger with a sheet of paper? Ça vous est jamais arrivé avec une feuille de vous couper le doigt, même si ça ne saigne pas, mais ça fait quand même très mal, vous savez. Ah, un oursin. Alors, oursin, ce n'est pas un mot que j'utilise tous les jours. Bon, clou n'est pas un mot que j'utilise tous les jours non plus, mais je ne me rappelle absolument plus de comment on dit oursin. Mais oursin, oui. Have you ever walked on a oursin? Voilà, sur les feuilles, ça fait mal. OK. Ou alors, have you ever burnt your finger? Est-ce que tu t'es déjà brûlé le doigt? Bon, vous n'êtes pas censé toucher aux allumettes, vous êtes trop petit. Et enfin, le dernier. Ah oui, c'est ça. Sea urchin. Yes, thank you. Exact. Exact. Thank you. Oui, toi, tu peux chercher en même temps. Moi, je n'ai pas mon téléphone, je n'ai pas ma tablette, j'ai que l'ordi, puis je vous parle. Donc, je ne peux pas faire 25 choses en même temps. Sea urchin, exactly. So, have you ever walked on a sea urchin? Oh, yes, and I can tell you it hurts. OK, oui, c'est ça, sea urchin. Bon, je ne m'en rappellerai plus dans 3 jours, mais bon, je connais ce mot. And the last one, no, never, he's too young. Alors, il fallait faire attention parce que jusqu'à présent, les réponses étaient je, nous, je. Là, la réponse est il. No, never, he's too young. Donc, non, jamais, il est trop jeune. Donc, il y a plein de possibilités. Est-ce qu'il est déjà allé en discothèque? Est-ce qu'il a déjà fumé? Est-ce qu'il a déjà bu? Est-ce qu'il est déjà sorti tout seul tard le soir? Donc, il y avait plein de possibilités. Alors, que m'avez-vous mis? Est-ce qu'il est déjà parti tout seul en vacances? Voilà, il y a plein de choses à dire. Alors, est-ce qu'il y en a qui m'ont mis quelque chose? Voilà, est-ce qu'il a déjà fumé? Alors, attention, attention, Mathéo. Already, c'est que dans les formes affirmatives. D'accord? Already, que dans les formes affirmatives. Si, 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 has he ever smoked? Has he ever smoked? Yes, it's correct. Est-ce qu'il a déjà fumé? Ben non, il est trop jeune. Yes. Voilà, ever à la place de already. Voilà, has he ever smoked? Has he ever been out alone at night? Has he ever been out alone at night? Est-ce qu'il est déjà sorti tout seul le soir? Donc ça, c'est ma phrase. Jade, has he ever been to a night club? Yes, very good. Has he ever been to a night club? Good. Yes, very good. OK. Bon, allez, on continue. Opposition, present perfect, prétérit. Donc, normalement, si vous avez bien fait ça consciencieusement et pas en 2 minutes 12 parce que vous n'aviez pas envie, mais il fallait le faire quand même. Ça vous aide aussi à comprendre. Souligne les formes verbales dans ces deux paragraphes. Alors, paragraphe de gauche. Alors, what? I have eaten caviar. She has seen the film Titanic. I have ridden a camel. Donc, il fallait souligner les formes verbales. Alors, donc, je vous aide un petit peu parce qu'il reste plus beaucoup de temps. Donc, il fallait souligner have eaten, has seen. Have ridden. D'accord? Eaten, eat, ate, eaten. Seen, see, saw, seen. Et ridden, ride, rode, ridden. Chevaucher, monter sur quelque chose, une mobylette, un scooter, une moto, un chameau, un cheval, un vélo. Donc, forme verbale, have eaten, has seen, have ridden. C'était avec have qu'il fallait souligner la forme verbale. Donc, have plus troisième colonne.
Donc les verbes sont au. Ah non, 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 les verbes ne sont pas au présent. Et non. Voilà, alors corrige-toi si tu t'es trompé. Les verbes que vous avez soulignés là, have eaten, has seen, have ridden. Ah, passé, ça ne me plaît pas. Faut vraiment, voilà, participe. Mais non, les verbes sont present perfect. Ils sont present perfect. Passé simple n'existe pas. Les verbes que vous avez soulignés, I have eaten, I have seen, she has seen, I have ridden. Alors, qu'est-ce qui me marque tout cela? Oh là, ça s'énerve, ça s'énerve. Passé. Alors, Magali, le passé, c'est pas assez précis. Participe passé. Oui, je suis d'accord que le participe passé, c'est eaten, seen et ridden. OK? Passé simple n'existe pas en anglais. Magali, c'est l'auxiliaire qui est au présent. Tout à fait. Have, has et have, c'est l'auxiliaire au présent. Matteo, participe passé. Eaten, seen et ridden, d'accord, mais on veut savoir en fait à quel temps sont ces verbes et ces verbes sont au present perfect car on fait le bilan de ces expériences. Voilà, c'est ça qu'on attendait comme réponse. Les verbes sont au present perfect car on fait le bilan de ces expériences, ce que l'on a déjà fait dans sa vie jusqu'à présent. J'ai mangé du caviar, elle a vu le film Titanic. Et je suis montée sur un chameau. J'ai fait du chameau. Voilà. Donc, on fait le bilan. On ne dit pas quand. Juste comme ça, on parle dans son expérience. Bah, j'ai déjà fait ça, j'ai fait ça, j'ai mangé ça, j'ai vu ça, enfin, elle a vu ça, etc. Donc, les verbes sont au present perfect, car on fait le bilan de ces expériences. Maintenant, colonne de droite. Donc, colonne de gauche, c'était what, quelles actions. Maintenant, colonne de droite, c'est when, quand. Alors, on part des mêmes choses. I ate caviar last Christmas. She saw Titanic 4 years ago. I rode a camel when I was in Tunisia. Donc, cette fois, les verbes sont à quel temps? Alors, les verbes ate, saw, rode et was. Ils sont à quel temps ici? Je suis dans la colonne de droite, hein. Ah, oh, mais non, ce n'est pas du présent. Matteo, ate, saw, rode, was. Voilà, c'est du prétérit. Tout à fait. Ate, c'est le prétérit de eat. Saw, c'est le prétérit de see. Rode, c'est le prétérit de ride. Et was, c'est le prétérit de be. D'accord? Donc, tous ces verbes-là sont au prétérit. Pourquoi? Car on ne s'intéresse qu'au passé et on précise quand ça s'est passé. Voilà, prétérit, tout à fait. Et on précise quand ça s'est passé. Et les expressions grâce auxquelles on sait quand ça s'est passé, il y en a trois. Qu'est-ce que vous avez marqué comme expression? Il y a trois expressions de temps qui montre qu'on est au passé. Alors, normalement, vous avez dû écrire. Alors, 4 years ago, yes, 4 years ago. Vous avez dû écrire last Christmas. Good. Donc, last Christmas, 4 years ago. Et l'autre, qui n'est pas vraiment une expression de temps, mais qui serait plutôt une expression, enfin, c'est pas, oui, si, pourquoi pas une expression de temps, et l'autre, voilà, last. Donc, 4 years ago, last Christmas, when I was in Tunisia. When I was in Tunisia. Donc, ce sont ces trois expressions de temps qui nous montrent que c'est passé, donc qui impliquent le prétérit pour le verbe. Non, camo, c'est un chameau. Un chameau n'est pas une expression de temps, Mathéo. Désolé. Allez, dernière.
Choisis le temps qui convient. Alors ça, c'était un tout petit peu plus compliqué. Enfin, c'est un tout petit peu plus compliqué. Et ça, il faut un petit peu plus de maturité pour voir. Il faut bien se faire les bonnes réflexions, il faut se poser les bonnes questions pour pouvoir ensuite conjuguer le verbe. Donc, on vous demandait de choisir entre eux. Déjà, bonjour, hello. C'est quand le live? C'est pas tout de suite. Je termine avec les quatrièmes. J'ai pas pris de retard, mais j'ai pris mon temps. On a corrigé nos choses. Et donc, une fois que j'ai terminé avec eux, je fais une petite pause de 2-3 minutes. Donc, tu peux revenir à 10h05. 5-6. T'as qu'à le dire à tes camarades. Alors, donc, pour voir si vous avez bien compris, il faut se poser la bonne question. Ouais, désolé, ouais. Donc, il faut se poser la bonne question. Est-ce qu'il y a un marqueur de temps dans la phrase? Alors, la première, on nous dit Rachel, slash, in lots of competitions, take part. Alors, est-ce qu'il y a un marqueur de temps? Est-ce qu'on a une date? Est-ce qu'on a une expression de temps là-dedans? Donc, si on en a une, hop, direct prétérite. Si on n'en a pas, hop, direct present perfect. Alors, qu'avez-vous marqué? Voilà, il n'y en a pas, tout à fait. Donc, s'il n'y en a pas, on est au present perfect. Alors, comment m'avez-vous conjugué ce verbe take part? Presque, Jade. Essaye de corriger ta faute. Peut-être tu l'as bien écrit hein, sur la feuille, hein, j'en sais rien. Hein. Mais en tout cas, là, oh, Mathéo, t'as pas honte. Oh, quand même. Ça se voit que je ne vous ai pas interrogé sur les verbes irréguliers. Hein. Oh là là. Oh, bah qu'est-ce qu'ils me font là comme bêtise? Ah bah je préfère. Alors, Rachel has. Alors, je vais l'écrire celle-là. Rachel has taken. Rachel has taken. Rachel, on peut remplacer par she. N'oubliez pas, c'est she has et la troisième colonne. Oui, ma touche, elle a bugué. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. C'est cela, oui. Alors, Eva, que dans les questions? Jade, ever que dans les questions. Et on ne te demandait pas de rajouter un adverbe. Donc voilà. Oui, ben je sais bien que tu t'es trompé. Moi aussi, je rigole. Ensuite, number two. The Beatles, famous in the 60s. Est-ce qu'on a un marque. Donc, The Beatles. Bon, alors, je vais peut-être vous expliquer qui c'est quand même. C'est un groupe c'est un groupe de musiciens très célèbre, si vous ne connaissez pas. Des années 60-70. Donc, The Beatles, famous, in the 60s et become. Alors, première étape, regardez si on a un marqueur de temps. Si on en a un, prétérite. Si on n'en a pas, present perfect. Alors, que m'avez-vous écrit? Beatles, que m'avez-vous écrit? Que m'avez-vous écrit? Alors, on avance un petit peu parce qu'il y a les petits cinquièmes qui sont à la porte là. Yes, very good. Alors, on a bien un marqueur de temps. C'est in the 60s. Donc, comme on a un marqueur de temps, on met au prétérit. Et le prétérit de become, c'est bien become. Donc, the Beatles became, blah, 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 famous. Yes, exactly. The Beatles became famous in the 60s. Good. And the last one.
I to the United States 2 years ago. Et on veut le verbe go. Donc, est-ce qu'on a un marqueur de temps? Oui ou non? Si on a un marqueur de temps, prétérite. Si on n'en a pas, present perfect. Donc, là, je pense que normalement, vous avez vu qu'il y avait un marqueur de temps. Donc, le marqueur de temps est 2 years ago. Et ça nous fait quoi comme réponse? Yes, very good. Allez, j'attends qu'il y ait quelqu'un d'autre. Yes, I went to the United States 2 years ago. Good, okay. Thank you for coming. Went. Yes, you're right, Matteo. Good. Thank you for coming this morning. And I'll see you. Alors, je vous ai mis déjà en ligne vos devoirs. Je vous les ai mis de bonne heure ce matin. Comme ça, vu qu'il est que 10 heures et que. Voilà. Puisque vous êtes en anglais, ben, continuez l'anglais. Vous êtes bien dans la leçon là. Donc, ce qui serait intelligent de faire, si c'est possible, c'est de continuer avec la leçon d'anglais, avec ce que je vous ai mis sur Pronote il y a 1 heure et quelques de ça, c'est-à-dire la fiche 3, c'est que sur la construction, d'accord, du present perfect. Alors, la fiche 3, il ne faut pas tout faire. J'ai précisé quoi? 13.1, c'est le premier exercice. Oh là là, bon, enfin, bref. Ah oui, comme ça. Oh, c'est bizarre. Bon, bref. 13.1, 13.2, 13.4. D'accord? Il ne faut pas faire toute la fiche. Regardez bien en face, c'est marqué. Donc 13.1, 13.2, 13.4. 13.1, 13.2, 13.4 de la fiche 3. Et même chose, c'est que de la construction du present perfect, la fiche là, là, en entier. Voilà. Vous avez un exemple à chaque fois. Enfin, vous avez un exemple et vous suivez le truc là. C'est super facile. J'essaierai, mais ça je le ferai que demain, parce que je n'ai pas à la maison, c'est au collège, de vous envoyer une petite compréhension orale. Voilà, il vous faudra votre livre. Enfin bon, je mettrai tout ça demain. Voilà, comme le prochain cours, c'est mercredi 10 à 10 h, donc vous avez 1 semaine pour faire tout ça. Donc voilà, vous avez largement le temps. Thank you very much for coming, and I see you next Wednesday, the 10th of June at 10 o'clock. In the meantime, don't forget to wash your hands, knees are coughing your elbow, keep your social distance, wear a mask if you go out shopping, and be good, take care, and do your homework, and have a nice day. Thank you. Bye-bye.